Ok, vous êtes prêts? Ouais, de toute façon, il grimpe, hein, tu peux y aller. Attention, les hélices, elles vont tourner du coup. Ouais. Ok, nickel. En février, je suis parti une semaine dans les Alpes avec Yoann Leroux. C'est un athlète de parcours qui s'est fixé comme objectif de grimper une cascade de glace et il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner et réaliser un film de cette aventure. Donc la plus grosse partie du tournage s'est faite à Saint-Gervais dans les Alpes et je suis également monté un jour à Paris. Comme j'ai pu le faire précédemment, j'ai filmé un peu l'arrière du décor pour vous montrer comment se passe ce type de projet. Donc après le documentaire que vous allez voir, j'ai inséré une petite partie making-of. Juste avant de vous laisser avec la vidéo finale, je voulais vraiment remercier Yoann et Joey du coup qui m'ont mis sur ce projet, qui m'ont fait confiance. Et c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux, c'était top, il y avait une super ambiance. Et j'ai vraiment hâte de refaire quelque chose avec eux. Explorateur urbain. J'arpente la ville et ses méandres, à la recherche de nouvelles voies, à travers l'architecture qui m'entoure, cherchant ma route au fond du puits de lumière, sortir de l'obscurité et atteindre mon objectif. Les toits parisiens, un désert de zinc s'étendant à perte de vue, un espace de liberté dans lequel je peux m'exprimer à mon plein potentiel, avec sérénité. Mes sens sont aiguisés, ma peur est sous contrôle, mon corps, mon instinct, tout est focalisé pour ce moment précis. Mes yeux se portent vers l'horizon, prochaine frontière aux terres inexplorées. Un frisson traverse mon corps, j'ai peur. Mon imagination me transporte vers une façade gelée. J'ai trouvé mon prochain objectif. Je sortirai de ma zone de confort et grimperai un mur de glace. L'arme gelée d'un titan de pierre. Ça va? Très bien, Laurent. Toi? Salut, salut! Laurent? Johan? Il reste que en bas pour moi, c'est qui va là. Passionné, faire rêver un peu les gens, ça va. L'œil attentif de mon guide, à l'aisance de chamois, je réapprends à marcher, à trouver mes prises et à connaître la glace, ses aspérités, ses forces et mes faiblesses. Je suis redevenu un enfant, cherchant la force de devenir un homme, pour un combat déjà disproportionné. Comme un effet de déjà-vu, l'obscurité m'envahit. Il est l'heure de partir. Mon binôme me rassure. Pour une fois, je ne serai pas seul à affronter cette bête. Symbole de peur et de respect. Titanesque tâche dans laquelle je me suis engagé. Mais je ne reculerai pas. Elle se dresse finalement devant moi. 120 mètres de glace tranchante. Beauté mortelle que je dois dompter. Ça va, Yoann? Tu kiffes?
Attention, hein. passe pas sous moi. Victoire éphémère. Finalement, ce n'était pas un combat, mais un échange entre l'homme et la nature. Bon, ça s'est bien passé, franchement. C'était cool. Je dois avouer que se retrouver face à un mur de glace comme ça, aussi impressionnant quand on n'a pas l'habitude du tout, c'est une expérience qui change énormément. Je tiens à remercier tous mes sponsors pour leur aide à la réalisation de ce projet. Remercie aussi toute l'équipe qui m'a soutenu sur place, la compagnie des guides de Saint-Gervais, mon binôme Joey Canal pour son investissement, et Gaspard, notre filmmaker. Mon âme d'aventurier est-elle finalement repue ? Je me pose une question, je commence à m'intéresser à ce qu'il y a sous mes pieds. L'aventure est-elle une histoire sans fin ? Il va redescendre par là-bas et moi je vais descendre aussi, comme ça j'aurai des plans assez sympas normalement. Et puis voilà, ça va être stylé. Ouais, c'est bon. Bah moi c'est passé Nat. 8%. C'est Nat qui s'est coupé. Ouais, c'est lourd, hein. On va voir un peu. Avec la tour Eiffel derrière. Allez-y si vous voulez. Ouais, bah je vais les prendre quand ils passent là, je pense. C'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait, je crois. Autant physiquement que mentalement. Mais ça va le faire. Il reste pas beaucoup. Ça va le faire. Si ça t'a plu, on a d'autres idées pour toi. Ouais, exactement. On va finir là.
et on verra après. Non mais c'est pas une cascade de merde les gars. Ouais moi j'ai remarqué. Ça j'aurais pu le dire tu vois. T'arriveras à le faire décoller là? Décoller ça va, c'est plus atterrir. Ouais. Peut-être si t'arrives à mettre tes mains comme ça pour l'attraper. Ah ouais carrément. Et je coupe les gaz dès que je suis au-dessus de toi. Ouais je me mets comme ça. Ouais comme ça. T'es mieux assis pour le piloter? Là je vais me mettre assis contre la paroi ouais. Ouais sinon tu t'assois carrément là. Je vais me mettre comme ça. Voilà c'est bien comme ça. Attention les hélices elles vont prendre. Ouais. Nickel. Je me pose dans le téléphone.